Cet audio a pour but de vous apprendre l'induction des trois singes pour votre smart brain. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, gardez vos yeux ouverts. Faites comme si vos yeux étaient impossibles à fermer jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les fermer. Et quand vous êtes dans cet état, répétez-le vous intérieurement et dites-vous dans quelques instants, je vais essayer de fermer les yeux et je vais faire comme si c'était impossible de les fermer. Essayez. Très bien. Dans quelques instants, vous allez simplement continuer à garder ses yeux ouverts et commencer à cligner tranquillement des yeux. Et à chaque fois, vous allez respirer profondément en allumant votre smart brain. Vous pouvez imaginer simplement de le mettre en place en vous répétant "Merci, je suis" trois fois et vous permettre d'arriver à votre écran d'accueil. Vous allez aujourd'hui simplement utiliser une application que vous pourrez appeler les trois singes. Vous connaissez certainement la sagesse des trois singes qui est ne pas parler, ne pas regarder, ne pas entendre. Et à chaque fois, vous pouvez utiliser l'un des trois singes pour avancer, vous permettre de grandir. C'est un petit peu comme un jeu auquel vous pouvez jouer chaque jour de votre vie. Là, à cet instant précis, je vous demande simplement de commencer à rester dans l'idée que pendant quelques instants, vous allez aller plus profondément à l'intérieur de vous et bien sûr, d'ici moins d'une minute, vous pourrez fermer complètement vos yeux. Dans quelques instants, je vais vous proposer de mettre les mains devant votre bouche et comme un de ces singes, simplement laisser la voix s'apaiser, voire se taire, comme une voix intérieure qui s'apaise et qui vous donne un silence pour vous donner des informations. Puis, petit à petit, je vous proposerai de mettre vos mains sur les oreilles et de la même façon, c'est comme si vous n'étiez plus en train d'entendre que vous et ma voix qui vous accompagne si cela vous est utile. Et enfin, vous allez mettre vos mains devant les yeux, puis les fermer, et sentir que vous allez profondément à l'intérieur de vous, commencer à plonger dans cette sensation de bien-être et de mieux-être. Respirez profondément. Et maintenant, les oreilles simplement. Et sentez que vous allez de plus en plus à l'intérieur de vous. Et enfin, devant les yeux, fermez les yeux. Laissez-vous plonger dans cette application de vous-même, les trois singes. Les trois singes amènent la sagesse. Il se peut, pour certains d'entre vous, que vous ayez l'impression que votre esprit va trop vite, que vous vivez avec trop de pensées. C'est comme s'il y avait un singe joueur dans votre tête qui s'amuse à jeter, entraîner plein d'idées et de pensées qui va et vient et qui parfois vous fatigue. Vous allez maintenant imaginer ce singe qui saute un peu partout devenir un singe beaucoup plus sage. Vous savez, comme dans ces dessins animés, parfois on imagine un singe en position zazen de méditation avec ses doigts qui font des mudras, vous savez, le pouce et l'index. Et vous pouvez, avec sourire, placer ce singe qui bouge dans tous les sens sur une branche ou à n'importe quel endroit et vous permettre juste d'apaiser. Vous allez vous rendre compte que parce que vous avez demandé à votre smart brain de s'apaiser, de devenir de plus en plus silencieux, vous entrez dans une sensation où tout est en train de devenir plus calme et en même temps plus sage. Maintenant, vous pouvez également vous rendre compte que les sons, les bruits extérieurs, comme il y a peu de temps, vous avez pu observer la sensation d'être aligné, d'être au cœur de vous-même, vous pouvez retirer tout ce qui peut engendrer des sensations négatives, des sons, des mots, des voix, et vous focaliser sur peut-être ce qu'il y a de plus puissant à l'intérieur de vous, un écho de vie, peut-être une voix profonde. Et cette voix, elle peut être à la fois VOIX, VOIE, un chemin, ou simplement une tonalité profonde, alignée. Et vous pouvez, à ces moments-là, et à n'importe quel moment dans votre vie, vous dire que tout ce qui est dit sur vous,
que vous entendez sur vous ou ce que vous avez l'impression qu'on pourrait dire de vous. Il vous suffit, en quelques instants, en vous connectant à votre smart brain et en mettant simplement vos mains sur vos oreilles, une seconde ou deux, vous pouvez juste retourner dans ce silence pour retrouver votre voix, cette voix, celle qui vous appartient complètement. Plongeons de plus en plus dans cette sagesse. Il se peut également que par moments, vous voyez des choses qui créent de la tension. Ça peut être des choses que vous voyez en vous, que vous voyez dans le présent, que vous voyez à l'extérieur de vous, ou peut-être même que vous avez vu dans le passé, ou que vous imaginez, que vous projetez dans le futur. Vous savez, ces projections, ces moments où vous n'êtes plus aligné avec vous, et parfois, cela peut avoir un aspect positif de recréer, de préparer, d'anticiper. Et parfois, ça nous met dans un état plutôt de tension. Or, un des singes va vous montrer qu'il vous suffit de la même façon de rentrer dans votre smart brain et juste pendant une seconde ou deux, mettre vos mains devant les yeux. Et puis après, les retirer et simplement vous dire « J'arrête de regarder ce qui ne crée en moi que tension, mal-être, malaise. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas capable de voir les choses, que je nie les choses. Simplement, je me refocalise d'abord sur le regard que j'ai de moi en moi, à cet instant, à ces moments. Je mets en place l'ensemble des filtres qui me permettent de gérer au mieux et le plus facilement possible la situation, ce que je vois. Ce qui me permet de trouver justement une voie qui va me permettre à la fois de percevoir et de dire les choses qui me correspondent d'abord en interne. Comme si vous étiez en train, petit à petit, d'ouvrir un ensemble d'options. Alors que très souvent, il arrive que quand on se fait prendre par les mots, par ce qui est dit, ou par ce que l'on voit, on s'enferme. Paradoxalement, à chaque fois que vous avez la sagesse des singes, vous vous ouvrez bien plus que vous ne fermez. Vous offrez une possibilité bien plus grande à créer des options. Vous savez, ces petites choses qui vous permettent de vous dire « j'ai des alternatives ». Et à chaque moment dans ma vie, parce que j'ai l'écoute juste, le regard juste et le mot juste avec moi-même, je crée des opportunités, des possibilités, des ouvertures dans un monde qui, peut-être jusqu'à présent, me semblait fermé, obtus, impossible de trouver des solutions. Et pourtant, à chaque fois que vous allez en connexion avec votre smart brain et à chaque fois que vous prenez conscience de vos trois singes sages qui vous apprennent plein de choses, vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus capable de trouver des possibilités et surtout, après, parce qu'un singe reste un singe, de vous mettre en action. Et c'est comme si ces trois singes sages vous montrent qu'une fois que vous avez mis en place les choses, vous sortez de votre méditation et vous voyez cette fois non pas un singe qui va dans tous les sens, mais des singes qui sont dirigés, qui ont une voix, et qui voient cette voix, et qui, au travers de ce tout, s'orientent vers vous, vers ce que vous souhaitez, vers vos désirs, vers vos actions, vos actes, vos décisions prises, et vous amènent à une responsabilité positive et une fierté de mettre en place cette sagesse dans la réalité. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici maintenant. Je vais compter de 1 à 5. Un 5, vous sortirez de votre smart brain avec toujours cette petite sensation de vous dire que vous pouvez y retourner à n'importe quel moment et avec cette sagesse des singes qui va se développer de plus en plus à chaque instant. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous au 5. Les yeux ouverts, ici et maintenant.